Et bonjour à toutes et à toutes, ici Anthony Bidon, et on reprend directement la suite de Resident Evil 2 sur PC. Alors on va directement aller en haut. Alors vous pouvez voir que j'ai réorganisé mon inventaire, donc j'ai enlevé tout ce qui était pour le moment inutile. Alors nous devons maintenant aller en haut parce qu'on a aperçu Claire sur une des caméras et le lieutenant nous a dit d'aller ici pour aller la rejoindre. Alors ici il faut la clé, mais avant je vais aller ouvrir le coffre. Parce que oui je connais la combinaison. J'avais dit que je la connaissais pas, mais bon je me suis un petit peu menti. C'est le 7. Ah, j'ai... parce que j'ai merdé. Voilà. Ils en récupèrent... Ah, un frein de bouche pour le pistolet. Ok, bon. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je suis un peu surpris. Vous avez... Malgré que je connaissais déjà un peu la combinaison. Ça peut toujours servir les planches de bois. Oh, il parle du rubis de... dans le sceptre, je crois. Ici on a la carte magnétique, donc on va pouvoir retourner au casier pour récupérer le fusil à pompe. Et on va aller mener le bouton. Ici on a une main. Alors, vous vous souvenez de la photo de la statue? Ouais, on va combiner. Livre. Permet de récupérer le sceptre. On va examiner le sceptre. Donc, on ouvre ici. Et on récupère donc le rubis. Et le rubis va nous servir à ouvrir un coffre. Et je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Normalement on a tout examiné. Donc dès que c'est bleu, vous avez tout fouillé. Donc là ici c'est bloqué. De Dieu. Pour ceux qui se souviennent du jeu original, l'hélicoptère qui s'écrase, bien sûr. Claire, bouge pas, j'arrive tout de suite. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi.
Claire, va-t'en de là. Allez. Hé, on va s'en sortir, tous les deux. Marvin, ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez? Marvin? Merde! Je suis au maximum. Ok, je sens que c'est le maximum. Et malheureusement, je n'ai pas de place. Je crois qu'on va se prendre un petit pour se soigner. C'était pour au maximum, de toute façon. Ah, des pinces, monseigneur. Donc c'est pour ouvrir les portes, comme c'est ici. On connaît bien évidemment, on était là il n'y a pas longtemps. Et notre ennemi est toujours mort et j'avais pas vu. Et il m'a eu deux fois, donc une. Et en plus j'ai usé mon couteau. C'est dommage. Deux fois sur le même en plus. Ici on a encore des chaînes, on va encore utiliser la pince. Ah putain! Salopard, on l'avait pas vu. Je vais peut-être utiliser mon spray parce que là ça commence à chauffer. Alors il y a la grenade pareil, si jamais on attrapait au corps à corps, on pourra se défendre avec. Putain de merde. Elle, bon, vous savez plus ou moins où on doit aller. Poudre, de la poudre supérieure, donc avec ça, on va pouvoir faire des cartouches de fusée à pompe, des cartouches de magnum. Ça me prie. Ah oui, le fusible. Arrêtez de bouger, oui. Ah, le fusible, on va pas ouvrir la porte en métal. Ici, ah, j'ai plus de place. On va combiner. Des cartouches de fusée à pompe. Ah oui, apparemment j'ai une herbe pas loin. C'est bien qu'ils aient... Ah putain. Enfin je me débarrasse d'un objet. Bon au pire je reviendrai le chercher plus tard. Pas grave. Je peux le récupérer tout de suite si j'ai pas le fusible, ça me libère un emplacement. Bon, imaginez hein, si j'avais pas trouvé les deux sacoches, j'aurais été encore plus dans la merde pour gérer mon inventaire. Mais, même avec 12 places, c'est pas évident. Je vais en profiter pour combiner une plante rouge. Ouais. Pourquoi ça le voulait pas? Attendez,
ça. Voilà, ça me fait un soin supplémentaire. Je reprends les pinces parce que j'en avoir besoin. Voilà. Toujours vivant. Pas pour longtemps, malheureusement. On va aller là. C'est raccourci. Normalement, je crois que c'est la dernière porte avec la clé. Donc, voilà. Donc dès qu'il y a le symbole, la petite croix, donc ça indique que l'objet devient inutile et donc on peut jeter la clé. Donc, ça me fait un emplacement supplémentaire. C'est qu'il était vivant encore, je me disais quoi. Impossible. Si je me trompe pas, c'est les caissiers juste en face. On va poser un des boutons ici. Donc là c'est le 3 si je me trompe pas. Donc le 103, ça nous permet de récupérer un couteau. Malheureusement, le don on l'a pas. Voilà. Ah, j'ai encore le frein de bouche. J'y ai pas pensé. Shotgun, on a des munitions. Et je vais juste faire de la place. Ah, j'ai pile poil pour le... J'ai pile poil l'emplacement pour le fusil à pompe. Ah non, ça prend un emplacement, bon. Autant pour moi. Je pensais que ça en prenait deux. Donc là, il va me manquer un bouton. Alors là, il va rester 102. 203. Et 208. Alors le prochain coup, va falloir aller, alors, si je me souviens bien, c'est à l'étage supérieur. Donc la bibliothèque, donc ça c'est plus tard, c'est dans les douches qu'il faut que j'aille. Et tout juste avant, c'est verrouillé. Je sais pas s'il faut une clé ou il faut péter le... avec les pinces. Juste aller serrer mon frein de bouche. J'ai un emplacement supplémentaire. Garder le shotgun avec moi. Le joyau, pour l'instant, j'en ai pas de besoin. Donc, je crois que ça devrait aller. Ça va, on va laisser tranquille. Hop. Ouais, sérieux, elle s'est jetée en bas. Ah, pourquoi j'ai... Ouh. Ok, j'avais... ok, j'avais ça équipé. Bah, je l'ai pas fait exprès, hein, mais bon. Moi, ça vous a montré ce que ça faisait. Va falloir que je fasse gaffe avec ce que j'ai équipé en secondaire.
Voilà. Tu vas bien mort. Quand même, m'en assurer. Ouais, bel et bien mort. Alors, juste pour vous dire, alors, vous l'avez sûrement vu, mais petit cœur ici, on va s'équiper du sol. Ah, c'est là que je sais pas si la flash aurait pu être utile, parce que vu qu'ils sont aveugles. Bon, allez. C'est quoi ce truc? En attention directe. Oh putain. Oh, je crois qu'il est mort. Il a eu son compte, mais en un coup, il m'a quand même mis cher quoi. Ça mène où ça? Buanderie. Ah, il me faut une clé. Ok, là on revient. Ouais, on revient dans le hall. Ça c'est le bureau de Stars. La batterie elle va être très utile pour le C4. Ça c'est la combinaison du coffre du bureau que j'ai fait plus tôt. Ah, ici c'est un non, c'est pour verrouiller le l'armurerie, mais il faut une clé USB qu'on a malheureusement pas. Ça permet de récupérer le Deagle. Bien qu'on a récupéré quelques munitions d'ailleurs. Une flash, ça va rembourser celle que j'avais utilisée bêtement. De fouiller, j'imagine qu'il reste le truc plus loin là. Ouais, à tous, alors j'ai trouvé l'endroit que j'ai zappé, donc c'est ici. À cet endroit ici, on peut utiliser les pinces pour ouvrir la porte. Ah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Et d'ailleurs, la... je crois que c'est tout pour les bras. Et les pinces, on peut les jeter. Pas besoin. Bon, je dis pas non, hein. C'est toujours utile. J'ai profité pour faire un peu le tour. J'ai ramassé quelques munitions. Il y avait quelques zombies. Bon. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai moins de munitions que... avant que je fasse la petite coupure. Normalement, il y a... l'herbe ici. Ouais. Je vais combiner ça. Ça me fera un petit soin. D'ailleurs, est-ce que je suis... Non, je suis pas à 100%, je crois, non. Ça fait quand même un petit soin supplémentaire. Ici, ça prend... Ah, ça va prendre clé. Et du coup, maintenant qu'on a récupéré ce que je voulais, d'ailleurs, on va le combiner avec la batterie.
Voilà. Et maintenant, il faut aller au C4. Je crois que je vais me faire des... Quoi que je vais garder ma poudre à canon pour faire des munitions de pistolet. Par où il faut que j'aille? Wow. On va éviter. Je passe par là. Ah ouais, je reviens vers les zombies, c'est ça le problème. On reste pas là, c'est très très mal fréquenté ici. C'est les archives, mais j'ai pas la clé. D'ailleurs, on va se préparer à se battre parce qu'on va attirer une grosse saloperie. Quoi que je pense, je vais me créer des... Voilà, pour plus à pompe parce que je vais en avoir besoin. C'est un peu la labyrinthique. Ceux qui aiment pas les allers-retours, je pense qu'ils vont pas apprécier le jeu. Parce qu'on en fait quand même pas mal. Alors là, je reviens. Je prends pas le bon endroit. Là, il faut monter. C'est très dur de se repérer, je trouve, à certains moments. Parce que le commissaire, il est pas petit. Hein. Super facilement. On va activer le C4 et pas préparer à vous battre. J'ai récupéré. Il y a un liqueur aussi. Hein. Est-ce que j'ai un couteau? Ouais, j'ai un couteau. Bordel. Allez, j'ai hâte que le liqueur se monte parce que c'est lui que je vais affronter. Zombie, c'est réglé. Comme par hasard le... On peut pas partir sans le médaillon hein, donc je vais me rappeler, je vais juste regarder le carnet. Alors là le dernier c'est celui je crois que c'est la femme. Ouais, c'est la femme. Alors c'est bon, la femme, l'arc et le serpent. Femme, l'arc. Ouais, ça c'est le serpent. Alors on a le troisième et dernier médaillon. Ah.
Je vais me soigner. Je vais me soigner parce que là ça pue du cul. Ah, j'ai quand même failli l'avoir sans me faire toucher. Hein, c'est... non. Pas équiper ça, je vais équiper le... Oh. Il est mort. Ouf, il m'a quand même... voilà, il m'a failli m'avoir. Pour l'instant, les seuls ennemis qu'on fait tuer, c'est les liqueurs. Hein. Les zombies, j'ai pas eu trop de mal. Et voilà, les zombies, franchement, à part peut-être deux ou trois, il n'y a vraiment aucun qui m'a réellement mis en danger. Est fait. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Branagh ! Marvin ! On fiche le camp. Hé, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Va-t'en ! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Ah, c'est émouvant. Bon, je crois qu'on va être là pour cette deuxième vidéo. Les munitions. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Alors, au revoir.